Maintenant, place à notre programme principal. Il est ingénieur forestier gradué de l'Université Laval, docteur de la Syracuse University et State University of New York. Il est également docteur honorificus causa de l'Université de Bordeaux. Il est professeur titulaire à l'Université Laval. Il a été commissaire à la Commission Coulomb. Il a 300 publications scientifiques à son compteur. Il travaille sur la tordeuse des bourgeons d'épinette depuis plus de 30 ans. Alors, il me fait plaisir de laisser la parole à M. Éric Beauce et sa présentation intitulée « Impact et lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, application des relations plantes-insectes ». Merci Jean-François. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de tordeuse. Tordeuse, c'est un insecte avec qui j'ai une relation depuis une trentaine d'années, que je lui pose des questions. Des fois, il me répond, des fois, il ne me répond pas. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va faire une espèce de tour d'horizon sur ses impacts et un peu sur le coffre à outils que l'on a. Donc, on va appliquer tout ça dans un contexte de relation plante-insecte. On va voir comment tout ça peut être orchestré. Vais essayer de passer à la prochaine diapositive. Ça y est. Bon, premièrement, je vais vous présenter un petit peu la bête. Bon, c'est une chenille, comme vous le savez, qui mange le feuillage de l'année courante, de résineux, sapin, épinette blanche, épinette noire un peu, épinette de Norvège, qui sort au printemps. Elle va s'alimenter, va manger le feuillage de l'année courante, donc le pourtour. Elle va prélever une partie de la capacité photosynthétique de l'arbre, sachant qu'évidemment, chaque verticille, les cinq derniers verticilles de l'arbre vont contribuer à la photosynthèse. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque année, elle va prendre une partie de cette photosynthèse-là et après un certain nombre d'années, évidemment, elle va tuer l'arbre en 4, 5 ou 6 ans. Ça donne des chrysalides. En juillet, ça donne des papillons. Les papillons vont déposer des œufs autour du mois d'août et la larve va éclore et va passer l'hiver sous forme larvaire. Donc, vous voyez cette petite larve toute nue qui passe l'hiver à des températures quand même assez impressionnantes, très négatives. Et pour passer l'hiver, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle produit de l'antigel. Elle produit un peu ce qu'on met dans nos véhicules, là, du glycérol, des choses comme ça, qui vont lui permettre de ne pas geler durant l'hiver. Premièrement, la tordeuse, il faut comprendre, c'est un insecte indigène. C'est un insecte qui est là, évidemment, depuis très longtemps, même avant nous. Et elle est là. Elle a un rôle. Elle a un rôle environnemental. C'est un moteur de rajeunissement de la forêt boréale. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue les vieux arbres et ce qui permet aux jeunes arbres de pouvoir profiter des ressources lumineuses, de sol, etc. Donc, elle accélère la rotation des peuplements. C'est son rôle écologique. Maintenant, comment ça marche, ce système-là? Comment elle fait pour assumer son rôle écologique? Bien, on a fait toutes sortes de choses, des élevages sur le terrain, comme vous voyez ici, avec des grandes échelles. On allait mettre des insectes dans les cimes des vieux arbres, dans les cimes des jeunes arbres. On regardait un petit peu la composition chimique. On a reproduit l'âge des arbres dans des diètes artificielles. Oui, il y a des diètes de vieux arbres, puis des diètes de jeunes arbres. Et tout ça pour se rendre compte que le système était opéré à travers deux molécules, deux séries de molécules qu'on trouve dans l'arbre. Le premier, c'est le groupe des tanins. Les tanins, c'est un peu ce qui vous donne mal à la tête là, quand vous prenez un petit peu trop de vin. Chez la tordeuse, ça a une certaine toxicité. Et les monoterpènes, c'est ce que vous sentez quand vous vous promenez dans la forêt, dans une forêt résineuse, ça sent bon. Pour nous, ça sent bon. C'est des composés qui ont des poids moléculaires assez bas, donc qui sont volatiles. Mais pour la tordeuse, ça donne un très mauvais goût à la nourriture. Alors, plus il y en a des monoterpènes dans le feuillage, moins la tordeuse, elle aime ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand un arbre est jeune, ben, il produit beaucoup de tanins, il produit beaucoup de terpènes. Donc, il est un peu toxique, mais c'est surtout qu'il goûte mauvais, ce qui fait que l'insecte, il mange moins. Puis, un grand principe chez les insectes, c'est plus on mange, plus on est gros, plus on fait de petits. Mais évidemment, ce n'est pas le principe qu'on a chez l'être humain. C'est la force motrice, là. Parce que chez un insecte, quand il fait beaucoup de petits, bien, évidemment, on génère des populations importantes. Et c'est un petit peu le moteur principal, finalement, d'évolution des insectes. Puis ce n'est pas pour rien qu'ils sont là depuis 350 millions d'années. C'est qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de progéniture, qui leur permet finalement de s'adapter à toutes sortes de choses. Maintenant, quand un arbre est jeune, il en produit pas mal des tanins et monoterpènes, ce qui lui confère une bonne résistance. Mais en vieillissant, l'arbre, lui, bien,
ses coûts de respiration augmentent parce qu'un vieil arbre, évidemment, a des coûts de respiration plus élevés qu'un jeune arbre. Et un arbre, c'est un peu comme nous, il a un budget de carbone, et il fait ses choix. Et compte tenu que ses coûts de respiration augmentent, la première place qu'il va couper, c'est dans ses défenses. C'est un peu différent de nous autres. Nous, la première place qu'on coupe quand on a des problèmes budgétaires, ce n'est pas dans l'armée. Mais l'arbre, c'est ça qu'il fait, parce que sa priorité à lui, c'est de faire du feuillage, du bois et finalement des composés de défense. Ce qui veut dire que le vieil arbre se retrouve à investir plus dans sa respiration et fait en sorte que ses composés de défense baissent. Donc, il a meilleur goût, donc l'insecte mange plus et le défolie beaucoup plus. Fait que c'est deux groupes de molécules-là, finalement, qui drivent un peu le système du rôle écologique de l'insecte. Maintenant, l'insecte, évidemment, au-delà de son rôle écologique, il y a des impacts économiques. En fait, il vient chercher du bois qu'on aimerait bien utiliser pour pouvoir faire des maisons, des planches, faire toutes sortes de choses. Et l'insecte vient prélever ça. Et évidemment, cet insecte-là, il travaille à une échelle quand même assez colossale. On voit un peu des exemples ici de défoliation. Lors de la dernière épidémie, 67-92, l'insecte est venu chercher à peu près 500 millions de mètres cubes de bois, la moitié en mortalité d'arbres, ce que vous voyez dans la littérature souvent quand on dit la tordeuse a un impact de 250, 260 millions de mètres cubes, ça c'est juste la mortalité. L'autre moitié, c'est en perte de croissance, ce qui fait un total de 500 millions de mètres cubes. Ça commence à faire beaucoup quand on considère qu'on coupe peut-être 23, 24 millions de mètres cubes annuellement dans la forêt résineuse. Bien, on parle à peu près d'un impact de peut-être 15, 16, 17 années de coupe équivalent pour la tordeuse. On a regardé un petit peu l'impact de la dernière épidémie pour essayer de voir un petit peu quel sera l'impact de la prochaine et des facteurs qui influencent cette mortalité. C'est qu'à partir de 400 placettes échantillons répartis dans l'ensemble de la province, on a regardé l'aspect mortalité, juste la partie mortalité, voir qu'est-ce qu'on a en perte puis qu'est-ce qui affecte cette perte-là. Bien, on voit au niveau du sapin baumier, qui est l'espèce la plus vulnérable, bien, ça varie évidemment selon la qualité de drainage. Le drainage est très important dans l'effet de mortalité. Sur les mauvais drainages, quand on parle de mauvais drainage, on parle soit de drainages qui sont trop rapides ou des drainages qui sont trop lents, donc on est dans les deux extrémités du drainage, bien, on peut perdre jusqu'à 80 % en mortalité de nos sapins. Alors que sur un bon drainage, bien, on va perdre peut-être à peu près 40 % de nos sapins. En mètres cubes, ça bouge entre 80 mètres cubes à l'hectare et 45-50 mètres cubes à l'hectare de perte due à la mortalité. Et évidemment, ça n'inclut pas les pertes de croissance. Sur le graphique que vous avez ici, les petits avions que vous voyez, c'est les effets de traitement lorsque l'on traite avec des pesticides pour réduire cette mortalité. On voit un impact évidemment particulièrement fort sur les drainages moyens et les mauvais drainages en termes d'efficacité de notre contrôle. Les pertes de mortalité sont surtout dans le sapin, quand on regarde sapin versus l'ensemble des résineux que l'on a dans nos peuplements, bien on voit que on passe à peu près 80 mètres cubes de perte au niveau du sapin, mais que le total est peut-être à 85-90 mètres cubes. La perte de mortalité chez les autres essences est quand même beaucoup plus faible que celle sur le sapin. On a estimé à l'intérieur de toutes ces placettes-là, qui sont évidemment des placettes dans des zones admissibles aux arrosages avec des témoins. Donc, on parle de peuplements quand même qui sont en haut de... Ce n'est pas des jeunes peuplements, c'est des peuplements d'âge moyen ou d'âge élevé. Et on regarde qu'est-ce qui influence là-dedans. Où sont nos plus grandes pertes de mortalité? Évidemment, l'âge sort un peu plus loin parce qu'on n'a pas une grande variation d'âge. On sait déjà que l'âge est important de toute façon. Mais on se rend compte qu'au niveau du sapin, le drainage, c'est la variable qui a le plus d'impact. Et ça, c'est important parce que c'est un petit peu à partir du drainage qu'on est capable de déterminer où on va avoir nos mortalités, où on va mettre nos efforts de récupération, entre autres.
Et un facteur qui sort assez fort et qui est, ça c'est intéressant, c'est l'altitude. En haut de 700 mètres, il y a beaucoup de mortalité, puis en bas de 700 mètres, il y en a moins. L'altitude vient à un effet important sur les pertes dues à la tordeuse. Maintenant, comment on aborde ces choses-là? Comment on peut réduire les impacts? C'est évident qu'on n'a pas d'outils ou il n'est pas pensable de contrôler une épidémie de tordeuse. Une épidémie de tordeuse, ça travaille à beaucoup trop grande échelle pour qu'on ait la possibilité de contrôler l'épidémie. Ce qu'on essaie de contrôler, c'est les dommages. C'est de réduire la progression des dommages pour avoir une stabilité d'approvisionnement dans les usines, essentiellement, parce que là, on gère du bois, essentiellement. On ne va pas avoir trop de bois mis en marché tout d'un coup pour faire tomber les prix, puis on veut éviter d'avoir des ruptures de stock après le passage de la tordeuse. Donc, on protège un certain nombre de peuplements. Globalement, je vous dirais, présentement, on a à peu près 13,5 millions d'hectares affectés par la tordeuse au Québec sur la nouvelle épidémie, et on traite à peu près 4 % de ce territoire-là. Évidemment, c'est des traitements qui sont ciblés en fonction des utilisations qu'on en fait. Les objectifs de protection sont très importants. Il faut toujours se poser la question, pourquoi on protège un peuplement? Bon, si on protège un peuplement dans le cadre, par exemple, de la problématique du caribou, on veut juste avoir des arbres qui restent en vie. Si on protège, qu'on veut protéger la croissance, bien, ça ne sera pas tout à fait de la même stratégie non plus. L'objectif de production de départ, le pourquoi on fait la protection, est excessivement important. On le fait avec quoi? Au Québec, on le fait avec du BT. Le BT, c'est une bactérie. C'est un insecticide biologique. C'est une bactérie qui est origine du sol, au point de départ, et qui a été maintenant utilisée dans des formulations pour faire des traitements aériens. Cette bactérie, en fait, on voit l'image ici, à gauche, en bas. La bactérie contient un spore et contient un cristal. Le cristal pyramidal, bipyramidal, que l'on voit ici, c'est une endotoxine. Alors, quand la bactérie est ingérée, parce que c'est un insecticide d'ingestion, quand elle est ingérée dans le tube digestif de l'insecte, le tube digestif de l'insecte est à un pH assez élevé, autour de 9, et elle se met en action. C'est-à-dire que le cristal se dissout, va perforer les cellules épithéliales. C'est des cellules qui sont responsables pour absorber la nourriture du tract digestif vers l'intérieur de l'insecte. Ces cellules-là vont se mettre à gonfler, les toxines vont se mettre en action, les cellules vont exploser, les spores vont commencer à se reproduire dans l'insecte et ce qui va arriver, c'est que l'insecte va mourir de septicémie. C'est exactement le même principe que la maladie, que la bactérie mangeuse de chair, sauf qu'évidemment, elle n'a aucun impact sur l'être humain. C'est un insecticide qui est très spécifique aux lépidoptères, donc aux papillons, aux chenilles, et qui n'a pas d'effet sur l'être humain. D'ailleurs, vous pouvez en manger du BT si vous voulez, ça goûte vraiment pas bon, puis ça sent pas bon non plus, mais c'est tout à fait inoffensif. C'est produit comme du yogourt, en fait, c'est une formulation de yogourt, finalement, qui goûte pas bon. Fait que ces tablettes, ça se vendrait pas, mais pour lutter contre la tordeuse, c'est fort pratique. On s'est rendu compte que dans les études que la qualité de la plante, la qualité alimentaire de la plante avait énormément d'impact sur l'efficacité de ce produit-là. Un insecte qui mange de la nourriture de mauvaise qualité va être beaucoup plus influencé en termes de mortalité, en termes de toxicité qu'un insecte qui est bien alimenté. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de la progression d'une épidémie, bien, les arbres sont défoliés, ils ont moins de réserves, ils donnent une qualité de nourriture beaucoup plus basse au fur et à mesure que l'épidémie avance et notre produit est de plus en plus efficace. Donc, un peuplement qui a déjà été défolié, l'efficacité va être beaucoup supérieure à un peuplement qui est en pleine santé. Maintenant, une question qu'on pose, évidemment, étant science appliquée, c'est-tu rentable de faire des arrosages? Est-ce que quand on fait ces grandes opérations, il faut comprendre le budget présentement, là, je vous dirais, c'est à peu près entre 25 et 30 millions de dollars investis annuellement pour intervenir par arrosage sur la tordeuse. Et pour ça, on a regardé une épidémie qu'on a suivie entre 1993 et 2003 dans la région de l'Outaouais. On a suivi l'épidémie pendant 10 ans. On a appliqué des traitements là-dedans, au BT, et on a regardé un petit peu l'impact
combien que ça nous a coûté faire ça, puis quel impact on a eu en termes de pertes et de protection, tant au niveau de la mortalité qu'au niveau des pertes de croissance. Alors, pour faire ça, bien, on a fait des analyses de tiges. Le principe était de prendre un arbre, de le couper en petites rondelles et de reconstruire l'arbre, sa croissance. Ce qu'on a fait là-dedans, c'est ce qu'on appelle de l'analyse par séquence verticale. C'est quoi une séquence verticale? C'est qu'on prend un disque, on mesure un cerne, et ce cerne-là, on va le remesurer sur un autre disque, mais toujours au même âge cambial. Donc, on ne mesure pas à la même place par rapport au centre de l'arbre, ce qui nous permet d'évaluer la croissance et de comparer les croissances pour un même âge de cambium, parce qu'un cambium qui vieillit, évidemment, la croissance est affectée. Donc, on enlève ce facteur-là. Et normalement, si on enlève ce facteur-là, ben, on devrait avoir une croissance constante, une ligne horizontale, et toute déviation par rapport à cette ligne horizontale-là est une déviation causée par un stress. Ça peut être une défoliation, ça peut être un stress hydrique ou autre. Ce que l'on voit ici en pointillé qui descend, bien, ça, c'est notre effet de tordeuse sans protection. On a évidemment l'effet de tordeuse avec la protection, qui nous permet de comparer les deux, et comparer aussi à des peuplements qui n'avaient pas de tordeuse dans la région. C'est évidemment une espèce de contrôle que l'on a. Donc, contrôle positif, contrôle négatif. Qu'est-ce que ça nous a donné en termes d'évaluation? Bien, sur l'ensemble de cette épidémie-là, bien, on a réussi à faire un niveau de protection moyenne, capacité photosynthétique d'à peu près 65 %. L'objectif des arrosages, dans les critères gouvernementaux d'objectif d'arrosage, c'est de protéger 50 % de la capacité photosynthétique. Vous voyez le tableau que vous avez ici à droite. Ça, c'est la contribution photosynthétique des différents verticilles. Alors, vous voyez, évidemment, le feuillage de l'année courant a une plus grande contribution en photosynthèse que le feuillage de l'année 5. Donc, si à chaque année, on protège 50 % de la capacité photosynthétique, bien, au global, notre arbre va toujours maintenir ce niveau de 50 %. L'objectif étant d'éviter la mortalité. Ça ne veut pas dire parce qu'on contrôle 50 % de la capacité photosynthétique qu'on n'aura pas des pertes de croissance. Généralement, un arbre, globalement, va tolérer jusqu'à à peu près 15 à 20 de pertes photosynthétiques avant de commencer à avoir des pertes de croissance. C'est un petit peu une règle du pouce chez les arbres en général. Dans cet exercice-là, on est intervenu 4 ans sur 9 ans pour maintenir ce 50 % de capacité photosynthétique. On a réussi à 65. Et ce qui veut dire à peu près 7 applications en moyenne par peuplement durant ces 7 années-là, ces 10 années-là. Pour un volume total sauvé de 40,5 mètres cubes à l'hectare. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a sauvé 20 mètres cubes à l'hectare d'accroissement et 20 mètres cubes à l'hectare de mortalité. C'est comme moitié-moitié. On est sur des bons sites à cet endroit-là. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, le drainage a beaucoup d'impact. Là, on est sur des mauvais drainages, on va avoir beaucoup de mortalité, peut-être moins d'effet sur la croissance. Dans les peuplements où on a moins de mortalité, bien, c'est plus la croissance qui va s'exprimer. Sur un bon drainage, comme ça, c'est moitié-moitié. Combien ça nous a coûté faire ça durant cette épidémie-là? 273 $ à peu près, parce que des fois, on fait une application, des fois, on fait deux applications dans l'été. Évidemment, ce n'est pas le même prix. Mais globalement, on a investi, durant la période épidémique, 273 $. Qu'est-ce que ça a en termes de rentabilité? Là, j'ai coupé un petit peu court, c'est juste des formules d'actualisation. Combien vaut notre 275 $ aujourd'hui par rapport à mon coût d'opération, bien, mon seuil de rentabilité est à 6,75 mètres cubes à peu près. Ce qui veut dire que si je vends mon bois plus que 6,75, je suis correct. Mais c'est sûr, si je le vends à 4 $ du mètre cube, ça ne valait pas vraiment la peine d'arroser. Si ma récolte se fait 10 ans plus tard, parce que je ne récolterai pas tous mes arbres ou tous mes peuplements quand l'épidémie va être terminée, bien, 10 ans plus tard, mon seuil de rentabilité est à 10 $ du mètre cube. Mon 273 $, dans 10 ans, il va valoir 400. Bien, c'est 400 $ pour sauver 40 mètres cubes. Donc, c'est 10 $ du mètre cube. Dans le contexte où on était dans l'Outaouais, on vendait le bois sur pied à 25 $ du mètre cube, ce qui nous donnait effectivement une bonne rentabilité. On faisait quoi? 608 $ de l'hectare qu'on a fait grâce à ces arrosages. Donc, oui, c'est rentable.
tant qu'on est évidemment au niveau de rentabilité. Plus je vais récolter tard mes peuplements, plus évidemment mon seuil de rentabilité va être élevé. On voit qu'on se promène entre 6 $ et 15 $ grosso modo, notre seuil de rentabilité, dépendant quand est-ce qu'on récolte. Bon, on voit que les arrosages, évidemment, dépendant du prix de vente de notre bois, si vous allez dans les grilles de tarification des redevances, bien, ça se promène sur le sapin. Là. On peut se ramasser à 7 $ comme on peut se ramasser à 25, 28 $ dépendant des régions. Donc, la rentabilité va être dépendante de quand est-ce qu'on va récolter nos arbres et où on se situe au niveau du Québec, à partir de ces chiffres-là, dans quelle zone de tarification on est. Là, je parle de la rentabilité gouvernementale en fonction des ventes de bois du gouvernement. Je ne parle pas vraiment d'une rentabilité pour l'industrie, parce que pour l'industrie, c'est sûr qu'au prix où est le PMP ces temps-ci, là, arrosé, c'est très, très, très rentable. Là. On a regardé au niveau, là, on se projette dans l'épidémie actuelle. L'épidémie actuelle qui a commencé autour de 2009 à peu près. Nous, on a installé avant que l'épidémie arrive un certain nombre, tout un dispositif sur la Côte-Nord. C'est une quarantaine de stations. Il y a plusieurs stations là-dedans. C'est des stations de 100 hectares, donc à une échelle quand même assez grande. Et on voulait voir, oui, c'est rentable, mais est-ce qu'on peut rendre ça encore plus rentable? Quel genre de stratégie on peut faire pour non seulement augmenter notre rentabilité, mais aussi augmenter notre force de frappe? On couvre seulement 4 % du territoire infesté. Est-ce qu'en ayant des stratégies plus économiques, est-ce qu'on ne pourrait pas protéger plus? Alors, on a testé diverses stratégies sans protection, une année sur deux, une année sur trois. La stratégie, celle où vous avez le fleur-de-lysée, c'est la stratégie recommandée présentement, historiquement, depuis des années et des années. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de maintenir 50 % de la capacité photosynthétique. Donc, quand on prévoit des populations qui vont nous causer des fortes défoliations en haut de 50 %, bien, on fait un arrosage. Ce que vous avez en haut, c'est les pourcentages de défoliation. Comment ça, ça a évolué sur une période de 6 ans? Et vous avez le seuil de 50 %. Le graphique que vous avez en bas, qui est le graphique plus utile parce que c'est un graphique, parce que vous savez, un pourcentage de défoliation, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. 50 % de défoliation de 10 cm versus 50 % de défoliation de 2 cm de feuillage. C'est toujours 50 %, mais pour l'arbre, ça fait une grosse différence. S'il me reste 1 cm de feuillage, je ne ferai pas beaucoup de photosynthèse par rapport à ce qu'il m'en reste 5. D'où l'importance de ramener ça avec un indice physiologique. Et quand on regarde nos différentes stratégies qui visent à protéger ce 50 %, bien, on voit que la stratégie actuelle préconisée par le gouvernement est efficace. On est en haut de notre 50 %, on maintient toujours notre 50 %. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette stratégie-là ici, une année sur deux. Une année sur deux, après 6 ans, bien, on est encore très proche, on est dans notre 50 % de protection, ce qui est fort intéressant parce que, premièrement, on a arrosé pas mal moins pour atteindre notre cible. Ça, c'est pour le sapin. Regardons pour l'épinette blanche. Bien, pour l'épinette blanche, c'est un peu pareil. On voit que, oui, notre stratégie, ce que j'appellerais Québec, nous permet de maintenir ce 50 %. Et la stratégie, une année sur deux aussi. On est même à la fin, aussi, à la 6e année, légèrement au-dessus du 50 %. Donc, une année sur deux était amplement suffisant pour cet objectif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'épinette noire. Parce que l'épinette noire aussi est défoliée par la tordeuse. Bien, on voit que la stratégie Québec, bon, évidemment, est très bonne. On a maintenu 75 % de la capacité photosynthétique. En fait, elles sont toutes bonnes. Et une qui est intéressante ici, c'est la stratégie « je fais rien ». Aucun arrosage, bien, on maintient 50 % de la capacité photosynthétique de l'épinette noire. Ce qui veut dire que pendant ces 6 années-là, bon, elle n'était pas vraiment utile. Si notre objectif, c'est de maintenir 50 %, là, je parle évidemment de maintenir les arbres en vie, pas de croissance, bien, on n'avait pas vraiment besoin d'arroser pour l'épinette noire. Évidemment, ça a des conséquences assez importantes dans les régions nordiques, cette chose-là.
Globalement, nos stratégies, ce qui est recommandé avec le pouce, je suis rendu très zoom pité, je mets des pouces et des affaires de même dans mes présentations. Si on regarde notre stratégie une année sur deux versus la stratégie actuelle, qui est, bon, on attend un an de défoliation modérée, de sévère, puis après ça, on s'arrange pour que la défoliation soit inférieure à 50%. Bien, on est intervenu 7 fois en un an sur deux, puis 10 fois dans la stratégie actuelle. Ce que ça veut dire, c'est que si on switch notre stratégie actuelle vers une stratégie d'une année sur deux, bien, on sauve 30% des coûts de protection. C'est quand même pas mal, 30% sur le budget actuellement consacré. On parle d'une réduction, d'une économie de 9 millions de dollars par année. Ça démontre deux choses. Bien, la première chose que ça démontre, c'est qu'on peut faire atteindre nos objectifs à un coût moins. Puis la deuxième chose que ça démontre, c'est que la recherche est quand même payante. On peut générer des sous pas mal avec ça. Et ça, c'est du récurrent, là. C'est 9 millions par année. Si on applique cette diminution de 30% de nos coûts d'opération, bien, ça vient évidemment baisser notre seuil de rentabilité. Si on baisse notre seuil de rentabilité qu'on a vu tout à l'heure, qui était à 6 $, bien là, ça baisse à 4 $, 7 $, 10 $, dépendant quand est-ce qu'on va venir ramasser nos arbres. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire avec le BD. On voit qu'on peut développer des stratégies. Maintenant, dans notre coffre à outils, on a pas mal de choses. On a des avions dans notre coffre à outils, on a des bactéries, mais on a aussi une scie à chaîne. Puis là, avec la scie à chaîne, ce que je vous propose, c'est de faire du judo avec la nature. On manipule la nourriture à notre profit. En manipulant la nourriture, on envoie des signaux aux insectes. La tordeuse, elle jase pas bien bien. Par contre, elle goûte et elle sent. Mais elle goûte beaucoup. Et c'est à travers le goût qu'elle interprète son environnement. Alors, on va essayer de manipuler tout ça. Et ça, on a fait ça à la Forêt Montmorency, ce travail-là, il y a quelques années. C'est des coupes partielles qu'on fait à différentes intensités de coupes partielles sur différents types de sites. Et on regarde un peu comment l'arbre réagit, comment la tordeuse va réagir. Alors, encore une fois, on grimpe dans des arbres. Évidemment, les coupes partielles sur des arbres assez matures, il ne faut pas avoir le vertige. On va mettre des insectes là-dedans, des témoins, des traités en fonction des ouvertures de peuplement. Et on regarde un indice de résistance. L'indice de résistance, en fait, c'est tout simplement la quantité de feuillage que l'arbre produit moins la quantité de feuillage que l'insecte prélève. Bref, c'est la quantité de feuillage qui nous reste, la capacité photosynthétique qui nous reste une fois que l'insecte a fait sa job de défoliation. On se rend compte que ce système-là est un peu dynamique, c'est-à-dire qu'un an après l'éclaircie, on a un écroulement de la résistance de l'arbre. Pourquoi on a un écroulement de la résistance de l'arbre? Parce que l'arbre est en train de s'adapter. Il vient de se trouver dans un nouvel environnement. Ces mécanismes de défense chutent, ça veut dire que dans le cas des vieux arbres, lorsqu'on fait de l'éclaircie commerciale ou de la coupe partielle, on a un effondrement des monoterpènes, ce qui fait que tout d'un coup, les arbres goûtent super bon et que la tordeuse, elle s'en donne à cœur joie. Surtout, en plus, il y a moins d'arbres, donc elle concentre ses activités sur moins d'arbres parce qu'on en a enlevé une partie. Et chez les peuplements plus jeunes, quand on fait du précom, c'est d'autres composés, c'est les tanins qui, eux autres, s'écroulent et le taux de survie de l'insecte augmente. Par contre, quand on suit le système, on se rend compte que 3 ans après le traitement, les arbres ont réagi. Et on réagit positivement en se mettant à produire une grande quantité de feuillage. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'arbres, il y a moins de compétition, il y a plus de ressources pour les arbres résiduels. Ce qui veut dire que les arbres on va concentrer une quantité de feuillage sur une quantité plus faible d'arbres. Donc, chaque arbre individuellement va devenir beaucoup plus résistant. Ce que ça veut dire, c'est que oui, avec la scie à chaîne, on augmente la résistance de nos peuplements, mais il y a une période d'adaptation. Et cette période d'adaptation fait en sorte que si on fait des éclaircies en période épidémique, bien, il va falloir penser à cette période d'adaptation où il va falloir intervenir par arroseur. Donc, oui, on peut faire des éclaircies en période épidémique, en autant qu'on prévoit de protéger ces peuplements pendant 1 ou 2 années. En soi, c'est une bonne nouvelle parce que ça amène le principe que, finalement,
Nos avions, nos arrosages, notre BT, notre bactérie, c'est un outil sylvicole. C'est un outil que l'on peut rajouter avec nos traitements, nos outils sylvicoles pour combiner éclaircie et arrosage en période épidémique pour être capable de faire nos traitements sylvicoles et d'augmenter la croissance, la résistance de notre forêt. Là, je vous garoche ça, c'est un peu épeurant comme graphique. Là. C'est un tableau, c'est qu'à partir de ces données-là, on a développé l'indice de résistance, puis on a regardé comment cet indice de résistance-là évoluait dans le temps, après nos traitements, et dans l'espace, en fonction de l'intensité de nos traitements et en fonction des types de sites dans lesquels on travaille, en fonction des drainages et en fonction des espèces. Plus vous allez, vous partez du rouge qui n'est vraiment pas résistant, puis vous montez vers le bleu où là, vous avez une grande résistance. Un exemple, on applique ça à la forêt Montmorency. Et ce que ça vous montre ici, cette partie de la forêt Montmorency, c'est que plus vous êtes vers le violet, bleu-violet, plus c'est résistant. Plus vous allez vers le rouge, vers le jaune, et moins c'est résistant. Ça donne un petit peu une idée de qu'est-ce qui va se passer quand la tordeuse va rentrer là-dedans. La mortalité, c'est dans le jaune, c'est dans le rouge qu'elles vont commencer à apparaître. C'est là qu'on va avoir des gros impacts. Et dans le violet, on va en avoir moins. C'est très intéressant de l'avoir appliqué là-dessus parce que depuis des décennies, les gestionnaires de la forêt Montmorency, les forestiers qui gèrent cette forêt-là, développent toutes sortes d'approches sylvicoles, d'approches d'aménagement pour augmenter la résistance de cette forêt-là. Et force est de constater que leur approche est très efficace. Et je crois que c'est des modèles, et c'est, je tiens à les féliciter d'ailleurs, tous ces gens-là qui ont amené ça, parce que là, on a un portrait, on prend une image de la résistance, puis on se rend compte que oui, effectivement, cette forêt-là, avec ce qui s'est fait dans cette forêt-là, au fil des années, est une forêt qui est quand même pas mal résistante à l'insecte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perte, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défoliation, mais par rapport ailleurs au parc des Laurentides, elle risque d'être un petit peu moins affectée par l'insecte. Il y a une autre approche dans notre coffre à outils qu'on appelle le hasard. Le hasard en science, c'est une chose absolument surprenante parfois, où la nature finalement nous amène des conditions strictement par le hasard. Et c'est ce qu'on a vu ici dans la région de Drummondville, dans une épidémie. Très intense. En fait, on se promenait là-dedans et on entendait comme dans une bonne épidémie de tordeuse, vous vous promenez pendant que l'insecte est au stade 5-6, puis il pleut. Mais il ne pleut pas de l'eau, il pleut des crottes de tordeuse, puis vous les entendez tomber. Bon, ce n'est pas nécessairement le fun pour les campeurs, mais pour un entomologiste, c'est un indicateur qu'il y a de quoi s'amuser là. Vous voyez un peu le genre d'image qu'on avait ici. Deux arbres collés, deux épinettes, une à côté de l'autre. Il y en a une qui est super manger, l'autre, rien du tout. Puis, ça se reproduisait un petit peu dans différents endroits dans cette plantation. Donc, on s'est posé la question, très naïve, pourquoi l'arbre de gauche n'est pas attaqué, puis l'arbre de droite, lui, il est en train de mourir. Bon, la question peut paraître simple, mais ça a été long quand même à trouver la réponse, ça fait à peu près 10 ans. Ce qui prouve qu'il faut être tenace en recherche. Le hasard était autant du côté de comment tout ça s'est produit dans la nature que comment on l'a trouvé. En fait, on l'a trouvé par hasard en regardant une sortie de HPLC. HPLC, ça vous décortique les éléments chimiques dans le feuillage, par exemple, puis pour chaque élément, ça fait un pic. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des arbres où il y avait des pics qui n'étaient pas présents chez d'autres. Puis ça, on ne comprenait pas parce qu'on est dans la même espèce. Et on s'est rendu compte, en analysant ça comme il faut, qu'on avait un profil différent. Et que le profil qu'on avait sur les arbres résistants était un morceau, un profil éclaté de ce qu'on retrouvait chez les arbres qui ne sont pas résistants. Vous avez en haut la picéine puis la pongénine. Ces deux composés, la pongénine, on la retrouve notamment dans les épinettes, dans l'épinette noire, qui ont un peu d'effet négatif sur l'insecte, rien de majeur. Mais les arbres qui sont résistants, on s'est rendu compte qu'ils avaient quelque chose, vous ne savez pas quoi, qui prenait ces composés-là puis faisait autre chose avec. Et avec nos amis en biologie moléculaire, on a fini par trouver c'était quoi? C'est une enzyme.
c'est que les arbres résistants, ces arbres-là, ces phénotypes-là particuliers, qu'on peut appeler des génotypes parce qu'on sait maintenant qu'ils sont génétiquement différents des autres, ils ont une enzyme que les autres n'ont pas. Le hasard de la nature. Cette enzyme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des composés, c'est un peu le système CRISPR, là, on coupe des gènes, mais là, on coupe des molécules. Cette enzyme-là coupe la picéine à un endroit bien particulier et génère un morceau qu'on appelle le picéol. Le picéol, c'est toxique pour la tondeuse. Elle fait la même chose avec la pungénine, elle coupe en morceaux et elle génère le pungénol. Pungénol qui est à la fois toxique, mais aussi phagostimulant. Fait que ces arbres-là, leur stratégie, qui est assez brillante, ils attirent l'insecte parce que l'arbre goûte bon. Donc, ils invitent l'insecte au repas, l'insecte commence à manger et il meurt. Fait que c'est un peu cruel comme approche, mais c'est pas mal efficace. On l'a vu d'ailleurs dans les photos. Et c'est cette enzyme qui, finalement, confère la résistance à cet arbre-là. Évidemment, à partir de là, on a un génome, on a un génotype particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend ces arbres-là, puis on les reproduit par embryogenèse somatique ou autre, puis on est en train d'essayer de développer ces arbres-là spécifiques pour les déployer dans certaines plantations. Ça vous donne une idée un petit peu des choses un peu surprenantes dans la nature, comme ici, où coccinelle qui a perdu ses points, dommage. Un peu qu'est-ce qu'on a comme dans notre coffre à outils. Et juste l'application de comment un insecte va percevoir et qu'est-ce qui va driver sa vie à son insecte. Vous savez, un insecte, là, ça n'a pas beaucoup de priorités dans la vie. La première priorité, c'est de manger. Sa deuxième priorité, c'est de disperser. Puis sa troisième priorité, c'est de s'accoupler. C'est un peu épicurien, c'est une belle vie quand même quand on pense à ça, un insecte. Là. Et l'idée, c'est d'exploiter ces perceptions-là. Et vous voyez, on l'a exploité d'une molécule qui vient influencer le goût d'une nourriture jusqu'à un avion. Donc, dans notre coffre à outils de sylviculteur, on a toutes sortes de choses jusqu'à des avions qui font partie de notre coffre à outils. Et c'est un petit peu le message global que je voulais sur lequel je voulais vous laisser un certain nombre de messages importants, notamment la diversification de notre coffre à outils. Il y a des outils qu'on peut utiliser à certains moments et pas à d'autres. Et tout ça se fait en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire avec la forêt. L'objectif de production est très important. Vous avez vu au niveau de l'épinette noire, pas besoin d'arroser. Bien, c'est sûr que si je gardais un habitat de caribou puis gardais des épinettes en vie, à ce stade-ci, je n'ai pas trop besoin d'intervenir. Elle devrait normalement rester en vie. Par contre, si je veux sauver de la croissance, ben là, on est dans un autre objectif. Si je veux faire des plantes, si je veux faire du papier, si je veux faire du tourisme dans un camping, c'est clair qu'une épidémie de tordeuse dans un camping, ce n'est pas le fun. Au-delà qu'il pleut des crottes à longueur de journée, c'est tente. Bien, il y a des chances que les arbres tombent aussi sur les tentes. Alors, vous voyez que l'objectif est important. Ça, c'est un autre élément que je trouvais important à vous mentionner. J'avais prévu vous jaser pendant 40 minutes. Je pense que c'est pas mal ça pour laisser un peu d'espace à la discussion. Super. Merci beaucoup, Éric. Monsieur Beauce, pardonnez-moi. Maintenant, c'est place aux questions de l'auditoire. On vous rappelle que les questions se font par le chat et c'est Mme Véronique Audet qui va lire les questions. En attendant, moi j'en ai une pour vous, Monsieur Beauce. Est-ce que éventuellement la tordeuse des bourgeons d'épinette peut développer une certaine résistance au BT? C'est très, très, très peu probable, en fait, la tordeuse, parce qu'on traite 4 % de la population. Bien, si on traite 4 % de la population, il y a vraiment peu de chances que la population puisse développer une résistance parce que vous savez, les tordeuses, ça se déplace, les papillons volent, ça s'accouple, etc. Il y a un phénomène intéressant d'ailleurs lorsque les larves sont mal nourries. Pourquoi une tordeuse, ça ne reste pas jusqu'à temps que tous les arbres sont morts? On peut se poser la question. C'est parce que quand la nourriture est rendue de très, très mauvaise qualité, ça donne un message à maman tordeuse. Puis maman tordeuse, elle se dit, « Ben moi, je ne mettrai pas mes larves là parce qu'elles vont m'arracher encore plus que moi. »
c'est quand même un peu blessing heart, une tordeuse. Là. Ça pense quand même à son prochain, notamment quand c'est petit. Et ce qu'elle va avoir tendance à faire, c'est qu'à la fin de la journée, ben, au mois de juillet, elle va se souvenir que ça n'a pas été le fun, le repas dans ce peuplement-là. Et elle va se laisser porter par les vents, par les courants d'air qui montent au-dessus du peuplement. Elle va se positionner à peu près à 50 mètres en haut du peuplement, puis elle va attendre là, puis là, les vents dominants vont la pousser. Et là, bien évidemment, il y a les tordeuses qui sont chanceuses, qui tombent sur un peuplement, un beau peuplement tout frais, tout prêt à être mangé pour les petits. Puis il y a celles qui sont moins chanceuses, qui se ramassent dans les parkings de Rimouski, par exemple, ou encore sur les tours à Montréal. Ce qui est assez impressionnant, effectivement. Vous allez voir des photos hallucinantes de certains parkings. Les concessionnaires, notamment Rimouski, à un moment donné, il y a un concessionnaire qui a reçu la visite de tordeuses. Il y en avait partout. Vous pouvez ramasser ça à appel. Mais ça, c'est des tordeuses malchanceuses, mais quand même qui sont gentilles parce qu'elles ont quand même passé à leur progéniture. On a une question dans le chat de Julia Léguerrier. Est-ce qu'il y a des modèles Builder ou d'autres outils géomatiques disponibles pour analyser la vulnérabilité des peuplements à partir de la carte écoforestière? En fait, la vulnérabilité des peuplements, oui, on peut l'analyser évidemment à partir des caractéristiques que l'on connaît sur les cartes écoforestières, que ce soit le drainage, l'âge, la densité, la hauteur, un paquet de facteurs comme on a montré un peu plus tôt. Il y a des outils qui sont encore plus fins, je dirais. C'est à partir des senseurs qu'on peut mettre sur soit des systèmes aéroportés ou encore des satellites. On le fait notamment dans certains cas de certains insectes, là, où on est capable, par exemple, d'aller chercher la teneur en eau d'un arbre à partir de réflectances dans l'infrarouge et avec des cartes. On est capable d'ailleurs de suivre les défoliations, entre autres, puis les pertes de vigueur à partir de l'espace sur certains satellites qui ont ces capteurs-là. Donc, oui, effectivement, à partir des cartes écoforestières, on est capable de faire pas mal de travail en attachant les cartes forestières avec un peu les informations que je vous ai présentées, qu'est-ce qui est important en termes d'impact. Mais on peut aller plus loin aussi, puis avec toute la technologie LIDAR qui va nous permettre, qui est souvent faite avec des systèmes qui sont à plus basse altitude, il y a probablement toutes sortes de senseurs. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on testait des senseurs dans le projet Boreas, qui était un projet avec Margolis, un collègue, et la NASA, où on mettait des senseurs sur des avions qui volaient très, 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 très haut, puis notre objectif, c'était d'évaluer la photosynthèse. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin. Donc, effectivement, il y a beaucoup de notre œil sur la santé de nos forêts est probablement beaucoup plus performant qu'il l'était à hauteur d'un pick-up. On a une autre question. Dans quel horizon de temps pourrait-on s'attendre à ce qu'il y ait une production significative de plants d'épinette blanche davantage résistants à la TBE? Ça, c'est la question à 1000 piastres. En fait, je ne sais pas. Il y en a. On est en train de faire du criblage dans d'autres plantations aussi parce qu'on aimerait ça quand même avoir une certaine variation dans cette résistance-là. Probablement que la stratégie de déploiement de ça va être qu'on va mélanger des arbres résistants avec des arbres non résistants pour justement éviter la contre-résistance. Parce que si on faisait une plantation juste avec les arbres résistants, il faut comprendre que là, on va prendre une population d'insectes puis on va la soumettre toujours au même traitement. Il va rester pendant plusieurs années dans ces plantations-là et l'insecte va développer des résistances. La résistance au BT, en agriculture, il y en a beaucoup et c'est très, très rapide. Si je regarde un peu, je prends n'importe quelle population tordeuse et je la teste au BT. Dans cette population-là, je sais, puis on l'a testé, on a 2% d'insectes, à peu près, dans cette population-là qui détecte le produit. Prenez-moi pas pour un cave, je vais attendre. Parce que ça ne dure pas longtemps, ce produit-là. Après 4-5 jours, ça n'a plus d'effet. Les rayons ultraviolets viennent tout démonter, tout ça. Et elle est capable d'attendre 4-5 jours. Contrairement à certains autres insectes, une tordeuse, vous la mettez 4-5 jours à ne pas manger, là, il n'y a pas trop. Elle va manger pas mal plus après, là, capable.
Donc, j'ai une proportion qui est capable de détecter. J'ai une proportion aussi d'insectes qui est capable, commence à avoir mal au ventre, mange cette affaire-là, puis là, oh, je commence à avoir mal au ventre, j'arrête. Elles arrêtent de manger avant que les dégâts soient trop forts et elles vont recommencer à manger une fois qu'elles vont se réparer un petit peu l'estomac. Donc, déjà, à l'intérieur d'une population, j'ai déjà une proportion de population que je sais qu'elle est résistante. Si j'applique mon produit constamment dans un contexte de plantation, mettons, c'est comme si j'appliquais mon produit à tous les ans, bien, je vais détruire ceux qui ne sont pas résistants, puis ceux qui sont résistants, eux autres, ils vont faire des petits ensemble, ce fait que le système va exploser. Exactement ce qui se passe dans le sud des États-Unis, dans les champs de canola, par exemple. Les champs de canola, il y a des champs là-bas que ne mettez pas du BT là-dedans, ça ne donnera absolument rien. Il faut mettre d'autres affaires. Et c'est ça le problème, évidemment, dans l'agriculture, c'est qu'on est toujours à mettre d'autres affaires. Bon, je ne rentrerai pas dans ce contexte-là parce que c'est un contexte où je pourrais en parler pendant longtemps de comment on gère notre nourriture. D'ailleurs, c'est fascinant. Hein? On a beaucoup plus de préoccupations sur nos forêts. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas en avoir que sur ce qu'on mange. Bon, c'est une façon de voir la vie, là. Avant, c'était bien pire parce qu'on ne se préoccupait même pas de quand on mettait bébé dans le gazon, bien assis dans le malation, là, à passer l'après-midi au soleil. Là. Bon, là, on s'en préoccupe un petit peu plus, on se rapproche. Espérons qu'un jour, on va aller un peu plus près de notre nourriture. Je ne veux pas lancer un gros débat, mais dans la vie, on développe quand même des convictions. Dans une autre question de Marc-André Brochu, est-ce que les redoux hivernaux, plus fréquents en contexte de bouleversement climatique, vont affaiblir la vigueur des chrysalides? Peut-être pas les chrysalides, parce que durant l'hiver, c'est des larves qui sont là. Mais la question est très importante parce que la larve, elle, quand elle arrive à l'automne puis qu'elle se prépare à passer l'hiver, elle ne mange pas. Toute sa destinée est basée sur les réserves que sa mère lui a données. Et selon cette quantité de réserves-là, ben, est-ce qu'elle va pouvoir produire plus ou moins d'antigel? Évidemment, si maman était bien nourrie, bébé, lui, il va être capable de passer l'hiver parce qu'il va être capable de produire l'antigel. Donc, il y a la question du froid et il y a la question des redoux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un redoux? Si le redoux, par exemple, est après le mois, à partir du mois de janvier, parce qu'à partir du mois de janvier, la diapause, qui est une obligation pour la dordeuse, qui est un état physiologique, où l'insecte doit passer un certain temps dans des conditions difficiles, elle est terminée. Et à partir du mois de janvier, les redoux, quand il y a un redoux, l'insecte va accumuler des degrés jaunes et va recommencer à vivre. Mais quand elle recommence à vivre, la tordeuse, c'est sûr que là, il n'y a pas de bouffe. Et il faut qu'elle a besoin d'eau, parce qu'une des choses qu'elle fait à l'automne, c'est qu'elle commence par baisser son contenu en eau parce qu'elle ne veut pas geler, hein, donc elle diminue son contenu en eau. Et pour faire de l'eau, elle va faire de l'eau métabolique. Elle va faire comme les chameaux. Elle va prendre ses graisses et elle va faire de l'eau métabolique avec ça. C'est exactement ce que les chameaux font. C'est pour ça que quand les gens se promènent en chameau, à un moment donné, les bosses abattent. C'est des bosses graisseuses, mais c'est transformé en eau. Le château d'eau, c'est la même affaire. Et si à un moment donné, elle n'arrive plus à faire suffisamment d'eau et d'énergie, elle va mourir. Les variations de température pour la tordeuse, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas un insecte qui est très habitué à ça. Au même titre qu'une des choses, on parle beaucoup de l'hiver, mais ce qui est vraiment embêtant pour une tordeuse, c'est l'automne. Un automne très chaud pour la tordeuse, c'est vraiment pas bon. Pour nous, c'est le fun, là, mais pour elle, c'est vraiment pas le fun. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit précédemment, le bébé tordeuse, il ne mange pas l'automne. Mais s'il fait chaud, il va avoir besoin de produire de l'eau. Si produire de l'eau, compte tenu qu'il ne mange pas, il va prendre ses graisses puis il va faire de l'eau métabolique. Mais il va avoir moins de graisse pour pouvoir passer son hiver et faire son antigel. Et ça, on l'a testé en simulant des automnes plus ou moins longs. On se rend compte que les taux de mortalité, quand on a un automne très chaud, les taux de mortalité de tordeuse peuvent être assez élevés, avoir des répercussions. Ce qui veut dire que les changements climatiques en tant que tels, souvent on dit changement climatique, ouh, ça y est, c'est cette plaie d'Égypte, là, des insectes. C'est pas impossible. Mais il y en a qu'on va en avoir plus, puis d'autres, on risque d'en avoir moins, puis probablement qu'ils ne seront pas aux mêmes places. C'est un grand détour que j'ai fait là, pour répondre à la question, mais c'est parce que c'est une question qui était quand même assez globale, qui m'a ouvert la porte vers quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a une question. Les observations quant au drainage du sol et à l'altitude sont-elles prises en compte par les reboiseurs, le gouvernement et l'industrie forestière?
Ben, je ne penserais pas. En fait, il faudrait peut-être leur poser la question, mais a priori, je ne suis pas certain. Je ne me commettrais pas pour. Tantôt, on a vu là, des données sur la vulnérabilité de la TBE à l'épinette noire, l'épinette blanche, mais est-ce qu'il y en a, il y a des données sur l'épinette rouge? Ben, l'épinette rouge est très proche, ben, elle est entre la blanche puis la noire, essentiellement. Phylogéniquement, elle est entre les deux, puis d'un point de vue tordeuse aussi, elle est entre les deux. Elle est assez proche, je dirais, de l'épinette noire en termes en termes de vulnérabilité. C'est une essence qui est quand même beaucoup moins vulnérable. Je dirais, sur une échelle, je vous dirais qu'on a la noire, qui est pas mal résistante. On a la rouge, la blanche. La blanche est assez proche de la Norvège. La Norvège est assez est proche de la blanche en termes de résistance. Puis après ça, on tombe un step de plus où là, on est rendu chez le sapin, que lui n'est pas résistant du tout. À partir de quelle proportion de sapin un peuplement est-il considéré vulnérable? Ça dépend des objectifs de production que vous avez. Il rentre dans les critères d'arrosage lorsqu'on a une proportion un peu plus que 30 % mettons, de résineux ou de sapin. Il va rentrer dans les opérations. Mais encore là, évidemment, ça dépend toujours de quel. C'est quoi nos objectifs de production de ce côté-là? Donc, si nos objectifs de production, c'est d'avoir de l'épinette blanche, puis que le sapin, ça ne nous intéresse pas du tout, bien, il peut tout le perdre, c'est pas grave, là. Mais évidemment, c'est pas nécessairement ça l'objectif, là. Bon, on a une autre question. Les objectifs de production des forestiers. Est-ce que la TBE pourrait avoir un impact majeur sur la disponibilité du bois dans une optique de croissance de la construction? En bois, un système basé sur des zones de croissance intensive pourrait-il être une solution? En fait, ça peut être une solution, puis ça peut être un problème. Si on fait effectivement un système de production intensive, c'est probablement beaucoup plus pour réduire les coûts, notamment les coûts de transport, entre autres, pour être plus rentable, pour peut-être satisfaire nos besoins autres, nos besoins de matières ligneuses pour pouvoir peut-être avoir plus d'air protégé, plus de zones où on cultive pas nécessairement on récolte pas des arbres. Mais il faut prendre en considération que si on fait ces stratégies d'aménagement intensif, qu'on fait des plantations croissance rapide et tout ça, il y a une chose qui est bien importante chez les insectes, c'est que votre arbre, plus il va pousser vite, moins il va être résistant aux insectes. Je vous donne un exemple. Dans le nord du Brésil, on plante de l'eucalyptus. L'eucalyptus qui est planté là-bas, c'est des sélections, il fait une production, attaché votre sucre, 90 mètres cubes à l'hectare par année. Ça commence à faire du bois pas mal, ça. Au Québec, on est à peu près à 1,5, puis on est tellement fiers de nous autres quand on monte à 3 mètres cubes, comme à Forêt-Montmorency, je fais de la publicité pour vous autres. Puis on est dans un autre ordre de grandeur. Par contre, ces arbres-là, c'est le nec ultra plus de la bouffe d'insectes. Il y a toutes sortes de bêtes qui bouffent ça, ce qui veut dire que si on fait ça au Québec, c'est correct, mais il va falloir prévoir la protection de ces arbres-là. Un exemple qu'on a fait dans les années 80-90, on a trouvé de l'épinette de Norvège, puis on a dit, hey, c'est le fun, ça, là, vraiment, ça pousse vite, c'est vraiment beau, on va pouvoir faire bien les affaires avec ça. Puis on a décidé d'en mettre 350 millions de plants, là. On a dit, on va en mettre partout, l'épinette de Norvège. Puis là, il y avait une petite bête qui nous regardait aller, puis qui s'appelle le charançon du pin blanc. Puis le charançon du pin blanc, il est embarqué là-dedans, parce qu'on l'a invité, on lui a donné de la bouffe en masse. Puis, il attaquait à chaque année la flèche terminale des épinettes de Norvège, ce qui, en fin de compte, on a transformé ces plantations-là en bonsaï de Norvège. Difficile de faire des planches avec un bonsaï, n'est-ce pas? Ce qui fait que, si vous allez dans le Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces plantations-là, les gens ont mis le boule dedans, parce qu'on n'avait pas pris en considération que, ouais, c'est correct, mais si vous jouez avec la bouffe des insectes, il y a des chances que si vous augmentez le menu, vous allez avoir plus de convives. On a une autre question de M. Pierre-Richard. Que pensez-vous des travaux visant à connaître l'histoire post-glaciaire des épidémies de TBE en lien avec les changements post-glaciaires du climat?
Ah, c'est très intéressant, ces travaux-là, de voir un petit peu comment un insecte indigène évolue. Ça demande beaucoup de précautions dans les interprétations. Ça veut dire que oui, on regarde par exemple les capsules céphaliques qu'il y a dans le sol, et il faut être bien sûr qu'on parle de capsules céphaliques de tordeuses, des bourgeons d'épinette, parce qu'une capsule céphalique de lépidoptère, ça ressemble pas mal toutes. On peut assez bien discriminer, par exemple, des arpenteuses avec des tordeuses, ainsi de suite. Donc, ça prend des restes pour ça. Si on se base uniquement sur des épisodes de défoliation, puis qu'on dit qu'on a eu des grosses défoliations, donc c'est la tordeuse. Ça, c'est pas sûr. Faut être prudent de ce côté-là. Mais c'est effectivement des travaux très intéressants. Une question de Marc-André Brochu. Est-ce qu'il y a eu ensapinage du Québec méridional depuis 175 ans, depuis diverses générations de coupes subies? Si oui, le stock de feuilles disponible à la TBE a-t-il grandi? En fait, oui, dans le sens que. Ben oui, puis non. C'est-à-dire, il y a eu ensapinage quand on faisait des grandes coupes dans les années 50, là, on faisait des 40, on faisait des grandes coupes à grande superficie. Ce qui a généré, en fin de compte, un super beau garde-manger pour la tordeuse dans les années 67, parce qu'au début du siècle, on faisait des grandes coupes. Ça, c'est très bon pour régénérer le sapin, ce qui fait que la dernière épidémie, 67-92, on s'est ramassé avec un super corridor qui partait de l'Outaouais, qui connectait sa Mauricie, puis qui s'en allait jusqu'au bout de la Gaspésie, en passant par la Côte-Nord. Puis ça, il y avait un mur de sapin, c'était de toute beauté pour la tordeuse. Aujourd'hui, c'est plus fractionné. C'est pour ça que l'épidémie se comporte très différemment aujourd'hui qu'elle s'était comportée avant. On va prendre une dernière question. Dans quelle mesure l'adoption de la CPRS dans les années 80 peut avoir augmenté la vulnérabilité des peuplements à la TBE dans l'ouest de la province pour la présente épidémie? Je ne pense pas qu'en soi, ça puisse avoir un impact ou un autre. La CPRS, que ça protège la régénération, puis ça permet peut-être d'avoir des arbres un peu plus rapidement, moins d'efforts sur l'aspect plantation. Évidemment que s'il y a plus de sapins, il y a un peu plus de vulnérabilité à la tordeuse. Mais en soi, c'est une question de dimension, puis c'est une question aussi de est-ce qu'on plante, est-ce qu'on ne plante pas. Plus on va avoir d'épinettes blanches, évidemment, plus notre forêt va être résistante à la tordeuse, ce qui ne va pas dire qu'on va avoir juste des épinettes blanches, parce qu'on doit s'inspirer de la nature, puis qu'on peut laisser aussi une place à la tordeuse. La pire chose qui pourrait nous arriver, puis ça fait bizarre de terminer là-dessus, la pire affaire qui pourrait nous arriver, c'est qu'il n'y ait plus de tordeuse au Québec. Parce que s'il n'y a plus de tordeuse au Québec, il va y avoir une autre bête qui va rentrer dans le système, puis peut-être que cela va être pas mal plus tough à contrôler. Je ne sais pas, il y a Pierre, J.H., R-I-C-H, trois petits points, qui lève la main depuis un bon moment. Je ne sais pas si tu permettrais qu'il puisse poser sa question, parce que je trouve que Pierre s'agite beaucoup, puis je suis convaincu avec son grand sourire qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, je m'agite, mais ça, c'est génétique. Je voulais simplement signaler, vous avez tout à fait raison pour les capsules céphaliques de TBE, mais il y a une nouvelle méthode mise au point par Hubert Morin et son équipe là, à Chicoutimi, et puis aussi par un chercheur de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils arrivent à identifier très précisément les écailles des ailes de papillons. Et il y en a une production énorme, mais ça se dépose dans les sédiments des lacs. Et avec ça, ils ont pu remonter à 10 000 ans. Alors évidemment, le problème maintenant, c'est d'analyser suffisamment de lacs partout au Québec et au Nouveau-Brunswick pour voir les différences dans l'espace et dans le temps. Alors je voulais simplement vous communiquer ça à tous. Si tout le monde n'est pas au courant. Et j'ai affiché des grains de pollen, évidemment, parce que mon alias, c'est Pollinix. C'est un nom qui m'a été donné par Botanix, qui est Gisèle Lamoureux, dont tout le monde connaît sans doute les guides. Alors, merci Gisèle, et félicitations à vous, M. Boss. Formidable. Ben merci. Je suis content que vous me disiez que c'est un grain de pollen qu'il y a derrière vous, parce que
Peut-être que la moyenne de la population penserait que ce serait un COVID qui était derrière vous. Mais votre intervention, d'ailleurs, sur les aspects morphologiques, il n'y a pas juste les capsules céphaliques, effectivement, les écailles d'ailes, qui a, il y a aussi la, il y a un essai qu'on appelle la tordeuse de l'épinette blanche, où il y a le diprion d'épinette blanche. Il y en a plusieurs qui ont des écailles assez similaires qui rendent un peu la chose avec un défi. Mais ce qui est bien intéressant dans cette approche-là, il y a les tarses aussi qui peuvent être utilisés de ce côté-là. Mais, tu sais, on ne rentrera pas dans un cours d'anatomie, mais c'est que si on en prend plusieurs, puis je pense que Hubert est dans cette ligne-là, de prendre plusieurs de ces caractéristiques-là pour les faire converger dans une étude. Et ça, je vous dirais, c'est l'avenir parce que c'est une question de correspondance entre différentes parties anatomiques. Et c'est comme ça qu'on fait de la taxonomie, de toute façon. Et c'est intéressant d'appliquer la taxonomie à, justement, les changements climatiques et l'évolution dans le temps. Donc, votre commentaire était fort pertinent. Tout ça est effectivement très intéressant, messieurs, mais on va devoir conclure parce que je pense qu'on pourrait passer l'après-midi au complet. Alors, merci, M. Boss, merci, M. Richard, pour le complément. On vous rappelle que vous allez recevoir prochainement un courriel qui contient l'information pour revisionner la conférence de M. Boss aujourd'hui, ainsi que le complément de M. Richard. Et on vous invite à suivre le site web de la Forêt Montmorency pour l'annonce de la prochaine conférence. Donc, merci à tous pour votre présence et à bientôt. Merci à tous.